Mais Yannick, de l'autre côté, est-ce que on peut pas un peu regarder la vie de quelqu'un et en fonction de cette vie-là, juger déjà le poste qu'on peut lui donner? Je prends l'exemple dans le cadre professionnel. Il y a des fonctions où, pour accéder, on vous demande fortement, on vous demande automatiquement d'être marié parce que ça aura peut-être un impact. Est-ce que le fait que je vais parler comme les gens sur les réseaux sociaux, que le fait que Jérémy Ndita ait des problèmes à manager son foyer ne soit pas un signe que si on reste toujours conditionnel parce que tu l'as dit, il ne s'est jamais déclaré candidat à l'Africa Foot. Si il est candidat à la tête de l'Africa Foot, il aura les mêmes difficultés. Non, la question de savoir si, à cause de certains soucis conjugaux, Est-ce que ça ne pourrait pas être un baromètre pour juger déjà et voir si à certaines fonctions un homme va s'en sortir? ben, écoutez, nous sommes en pleine période préélectorale du côté des États-Unis d'Amérique, et vous savez qu'il y a le vent en poupe actuellement aux États-Unis d'Amérique pour notamment représenter les républicains. À cette prochaine élection et affronter Joe Biden, notamment L'ancien président Donald Trump. Donald Trump. Or, vous savez que même lors de sa présidence, il y a quelques années, sa présidence a été émaillée par des plaintes de harcèlement, et pas Notamment mal une actrice de films de pour X. adultes. Bah oui, film pour adultes. Donc, il y a eu tellement de cas, il y a eu pas mal de plaintes de femmes, de harcèlement, attouchement, etc. etc. Alors, est-ce que ça avait empêché? C'est vrai qu'il n'avait pas été réélu, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on regarde la confiance que les républicains lui accordent, Les sondages ne sont pas négatifs. voilà, les sondages ne sont pas négatifs et on estime que lui, en tant que président des États-Unis, il peut revenir stabiliser la situation de l'économie, etc. etc. Donc, est-ce que avoir des problèmes conjugaux, ben là c'est quand même carrément différent parce que là, lui c'est encore pire. Je parle de Trump. Parce que là, c'était des accusations d'attouchement, de harcèlement, etc. etc. Voilà. Mais là, nous sommes dans le cadre de quelqu'un qui n'a ni violé, ni harcelé qui que ce soit. Quelqu'un qui déclare, à travers une demande de divorce, il déclare avoir supporté longtemps. Donc, il y a la patience. Il déclare qu'il ne peut plus continuer comme ça. Donc, la lassitude, au bout d'une certaine patience. Donc, c'est également des qualités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pendant qu'il souffrait en silence, n'allait pas le crier sur tous les toits, raconter partout. Donc, la responsabilité et la maturité d'un homme qui sait que c'est ça la vie. Donc, est-ce que pour ce genre de raison, on va dire qu'il ne peut pas diriger quoi que ce soit, c'est un raccourci trop facile. Trop facile d'ailleurs, parce que beaucoup de dirigeants qui sont la tête de pas mal d'institutions à travers le monde, beaucoup d'organismes à travers le monde, beaucoup d'organisations et d'associations à travers le monde et à travers le Cameroun, tout ça, ben, nul n'est parfait. Parce que, en fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui doit, en principe, disqualifier, qui peut disqualifier certaines personnes de certains postes? C'est la rectitude morale. C'est de savoir si ils sont droits, si en termes d'attitude, ils sont positifs. Or, on ne parle pas là actuellement de quelqu'un qui est accusé d'avoir violé qui que ce soit, d'avoir harcelé qui que ce soit, mais quelqu'un qui a manifesté son ras-le-bol par rapport au comportement de son épouse dans son foyer. C'est tout. Ce n'est pas une attitude de nature à le disqualifier ou à en faire quelqu'un qui n'est pas responsable. Au contraire, ça démontre à quel point c'est un monsieur responsable. Vous n'avez pas entendu qu'il a, par exemple, été dans une affaire de violence conjugale et tout ça. Il a supporté. Bon, c'est vrai qu'on va dire que c'est sa version des faits. Sa version des faits. Bon, ben oui, chaque fois qu'on donne sa propre version, on peut l'embellir. C'est ça aussi. Donc, mais je dirais plutôt aux gens, je dirais plutôt aux gens que à vouloir présenter Jérémy parce qu'il a des problèmes conjugaux, parce qu'il a des soucis avec son épouse et qu'il affronte ces problèmes-là avec dignité, qu'il décide de divorcer, à vouloir le présenter comme quelqu'un qui, dans le comportement ou dans la vie privée ou dans la vie conjugale,
où les aventures sentimentales, amoureuses, le mettent à l'écart, subitement, de la course à quoi que ce soit. Est-ce que vous avez essayé de fouiller aussi un tout petit peu dans la vie privée de X ou de Y pour savoir ce que X ou Y a fait? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dehors, des gens qui dirigent des structures et tout ça là, qui ont fait, qui se sont caractérisés par vraiment des attitudes tellement extraordinaires? Quelques exemples, Yannir et non. Quelques exemples. Est-ce que vous savez? Moi, je ne sais pas ce qu'on reproche à Jérémy sur un état. Moi, je ne sais pas, clairement. Qu'est-ce qu'on lui reproche au point de dire qu'il ne peut pas être candidat à la FECAFOOT avec ce type d'attitude? Mais Yannir et non, est-ce qu'avec cette sortie, cette publication de cette demande de divorce-là, on pourrait dire que nous sommes déjà dans la campagne pour la tête de la Fédération Camerounaise de football? Non. Est-ce que les hostilités sont lancées? On aurait pu le dire s'il y avait une manque derrière et que c'était clair qu'il y a une manque derrière. Si par exemple on effectue un rapprochement entre son épouse et X ou Y candidat qui peut-être... Déjà que jusqu'ici si on n'a aucun candidat déclaré. Effectivement, Jérémy non plus. Nous sommes dans les spéculations depuis pas mal de temps. On parle de Jérémy candidat, Jérémy qui va... Or, on ne sait même pas si Samuel Eto'o va se représenter. Or, Jérémy, pour parler de lui, n'a jamais fait acte de candidature. Pour l'instant, nous sommes dans des rêves. Mais on l'a vu il y a quelques jours avec l'ancien président de l'instance, M. Iyad Mohamed, ce qui a quand même prêté à interrogation. Mais vous n'allez pas rendre visite aux gens. Pourquoi spécifiquement Iyad Mohamed à ce moment précis? Alors, moi je me demande, est-ce que c'est Iyad Mohamed qui élit les présidents de la fédération? Non, peut-être des astuces pour... Est-ce que l'actuel président, pour être président de la FECAFOOT, a été obligé d'aller voir Mohamed? Non, pas forcément. Mais maintenant, ça peut vouloir dire quelque chose. Oui, contrairement à certains, il a des bons rapports, il a gardé des bons rapports avec Mohamed. Quand il était joueur, il passait pas son temps à critiquer et à dénigrer Mohamed, comme certains. Donc, lui, il a gardé des bons rapports avec Mohamed. Il est de bon aloi qu'il a le saluer. D'ailleurs, avant lui, il y a Vincent Boakai qui était allé saluer Iyad Mohamed également. Et ils ont pris des images, des photos et Il y a Mohamed qui était président de la Fédération Camerounaise de football, qui a encore certainement de l'influence auprès du comité exécutif et du comité encore plus élargi, ceux qui ont le droit de voter pour les élections à la présidence de la FECAFOOT. Est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil à M. Iyad qui, le moment venu, pourrait lui donner un coup de pouce pour gagner quelques voix? C'est possible. Tout est possible dans le football, mais je ne suis pas sûr que ce soit seulement ça, l'objet de sa visite. Je ne suis pas sûr qu'ils ont parlé de FECAFOOT, je ne suis pas sûr qu'ils ont parlé de l'intention de se présenter. Il faut se rappeler aussi que Jérémy est quand même président du SINAFOC, qui est le syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun. Il y a Mohamed qui n'est pas footballeur professionnel. Il y a Mohamed qui est ancien dirigeant de la FECAFOOT, de la fédération, qui est ancien président de club, il faut le rappeler, Autosport de Garoua. Donc, il y a Mohamed qui peut aussi collaborer avec Jérémy, qui peut aussi lui donner des astuces ou des conseils ou des visions sur comment gérer les conflits entre footballeurs et président. Parce que Jérémy, justement, sort d'une tournée où il a recueilli les avis et les problèmes des footballeurs et il a sorti un rapport qu'ils ont présenté, le SINAFOC a présenté ce rapport, où on a parlé du nombre de joueurs qui n'ont pas toujours leur salaire, tout ça, et où on donnait des injonctions au président des clubs pour pouvoir justement payer les salaires de certains joueurs. Donc, il y a un moment également, avec Jérémy, s'entretenir sur ce type de situation-là, pas forcément parler de la prochaine élection à la FECAFOOT. Et si derrière, M. Iyad Mohamed était en train d'essayer lui aussi de convaincre Jérémy Nditap à se présenter? Là, on est dans la spéculation, on essaie de comprendre cette visite de Jérémy Nditap à Iyad Mohamed. Est-ce que si derrière, M. Iyad Mohamed veut continuer ou alors souhaite reprendre la main sur la Fédération Camerounaise de football et se servir, pourquoi pas, de Jérémy Nditap, le pousser en avant, le proposer à la tête de la Fédération? Pourquoi c'est maintenant qu'il doit le faire? Mais parce qu'il faut le rappeler que ces derniers mois, il est beaucoup plus cité. Parce qu'on a parlé, Samuel Eto'o, à quelques mois,
quelques mois après son élection, a été, d'après certains, jugé ou alors a été vu comme le meilleur président de toute l'histoire de la Fédération camerounaise de football. Il a même d'ailleurs reçu un prix à ce titre-là. Mais non, derrière ces derniers mois, on se rend compte que M. Iamomet est beaucoup plus cité dans la réalisation, dans les différentes choses qui ont été mises sur pied. Il est un peu cité quand on parle de Samuel Eto'o. Ben, écoutez, mon cher Magic, je pense qu'avant l'actuel exécutif de la FECAFOOT, il y a eu des dirigeants qui étaient là, plus ou moins proches de Ia Mohamed, plus ou moins même beaucoup plus proches de Ia Mohamed que Jérémy Soukandita ne peut l'être. Parce que quand on parle de Tombi Aroko, on se souvient de qui il s'agissait, le secrétaire général, c'était des proches de Ia Mohamed. Vous avez les Abdourahmane qui étaient proches de Ia Mohamed également. Donc, essayez de voir la visite de Jérémy sous le prisme du rapprochement en vue de l'organisation des prochaines élections, en vue d'une sorte de parrainage. Non, je ne suis pas d'accord, je n'adhère pas forcément à cette vision-là. J'attends toujours de voir Jérémy candidat officiellement à la présidence de la FECAFOOT. Peut-être que le SINAFOC lui tient évidemment à cœur et qu'il n'est pas prêt à lâcher le SINAFOC aussi pour pouvoir justement diriger la FECAFOOT. Donc on est encore là dans des supputations, ce n'est pas encore clair. Désormais, toute personne qui va rendre visite à Ia Mohamed, on a toujours l'impression que ça a une connotation particulière. Quand Vincent Boakai est allé rendre visite à Ia Mohamed, d'aucuns y ont vu une tentative pour lui d'afficher sa préférence pour Ia plutôt que pour Samuel. Il ne faut pas toujours voir ça comme ça. Des gens ont des rapports. Il y a des gens qui ont des rapports humains, des rapports personnels qui continuent à subsister au-delà du football, au-delà du professionnel. Voilà. Donc, la photo peut susciter, peut poser des interrogations et tout ça. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de déclaration claire, officielle, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut polémiquer là-dessus. Merci, Anirino. Merci, mon cher Magic. Et merci à tous les abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. À la prochaine.